L'étudiante entend bien profiter de sa jeunesse et de sa liberté, et cela, quoi qu'en pense son entourage. Tu rentres seulement maintenant? Et alors? T'étais où? T'étais où? T'as dormi au moins? C'est bon là, laisse-moi me préparer. Pourquoi t'es pas rentrée hier soir? Tu entends? J'entends. Bah oui, j'entends. Con, ça là. Hey Candice, je peux compter sur toi pour l'after chez moi demain soir? Ouais, pourquoi pas? Alors, petit carré de temps, on a décidé de se taper tous les maillots de terminale ou quoi? T'es jaloux, Castellar? Va te faire des pucelets, on en parlera à nous. Castellar! Chef, ta gueule, toi! Oh, après, je suis allée chez Kyo. Mademoiselle Tavernier. Quand je suis arrivée, il était dans son petit caleçon. Je suis là. Comment déjà presse, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Allez. C'était comment? Allez. Mmh, trop bien. Il m'a même dit que c'était mieux qu'avec sa femme. T'as vu le nouveau prof d'anglais du terminal, non? J'ai trop peur. Ah ouais? Il paraît qu'il donne des cours de soutien les jeudis soirs. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je crois que j'ai besoin de perfectionner mon anglais. En fait, tu veux des cours de langue, hein? Mademoiselle Picoretta, un peu d'attention, s'il vous plaît. Picaretta, monsieur. Picaretta. T'as vu, j'y sais? Philippi, 16. Quel est mignon. C'est ta faute, tu l'as rendu dingue. Pas jouer avec les petits mecs fragiles comme ça, je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas où vous avez la tête, monsieur Ilio, mais sûrement pas à vos cours de mathématiques. Je vais chez une copine ce soir, j'en ai pas dormi. Attends une minute. Viens par ici.
Tu étais où hier soir? Tu as dormi où? Chez Julie. Avant d'hier soir aussi, tu rentrais tard? C'est normal que ta mère s'inquiète ce matin. Je préviens toujours quand je suis pas là, vous étiez au courant? Pas que t'allais rentrer aussi tard. Et puis t'as que 17 ans, on a le droit de savoir. C'est bon, vous avez pas à vous plaindre de moi, je demande juste à sortir de temps en temps. Prévenir veut pas dire qu'on est d'accord. Tu pourrais dire où tu vas quand même. Ouais, c'est pas très clair tout ça. Ça vous regarde pas? J'ai le droit de profiter de ma vie d'étudiante comme les autres. Tu auras le temps de profiter de ta vie d'étudiante. Étudiante. Mais qu'elle arrête de jouer les grandes, elle est toujours foutue le camp. Vous êtes pas les mieux placés pour me faire la morale. La plupart du temps, c'est vous qui êtes jamais à la maison. Candice, reviens ici tout de suite. On est à 100 pour la bonne cause. Pour le travail. Quelle autorité. T'es vraiment trop mou avec elle. Tu la surveilles pas assez. Je suis seule à m'en occuper. Arrête, Maryse. On est fautifs tous les deux. Quoi? C'est vrai qu'on n'a pas été trop présents ces temps-ci. Cette petite traînée a l'air d'oublier qu'on travaille notamment pour l'élever. Comment tu parles de ta fille? On s'intéresse qu'à notre travail. Et toi, avec ton caractère intraitable, tu sais pas l'apprendre. Du coup, vous êtes toujours en conflit. Comment ça, mon caractère? Tu veux dire que... Je mettrais un bémol dans tes réactions. Peut-être que vous pourriez parler un peu plus calmement. Candice est toujours sur la défensive avec toi. C'est vraiment des cons. Oh, de te prendre la tête pour des histoires de famille. Ma mère va me tuer. De penser à tes parents, merde. Non, bah là, je lui arrête. Si t'étais un mec, je te roulerais une pelle. Hé hey. Oh. Les deux poufias. C'est Castella. Carreta. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai pas aimé ce que t'as dit tout à l'heure. Tu m'étonnes, t'avais trop l'air d'un con. C'est clair. Ta gueule! Eh, s'il y en a une qui m'insulte encore une fois, je la chope et je lui montre si je sais pas me servir de ma bite. Ah ouais? Bah j'aimerais bien voir ça. Tu me cherches, salope? C'est bon, il est tard, tu la verras demain. Lâche-moi, toi. Descends! Va te faire foutre. Descends, je te dis. C'est bon, t'es ce que tu voulais. Mais non, tu vois bien qu'elle a pas compris, cette petite pute. Laisse tomber, ta... Eh, Candice. Elle est bourrée ce soir ou quoi? Juste deux minutes. Tu descends juste deux minutes. Ouais, mais c'est ça, barre-toi, ouais. Ça vaut mieux pour ton petit cul de merde. Ah bon? Non, je sais pas. Tu me dis ça demain? Mmh. Ok. Bisous, ma poule.
Bonjour. 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 Salut. Ça se passe bien en ce moment, ton travail? Ouais, ça se passe bien. Bah vas-y, raconte. Eh bien, on a terminé les maquettes du futur monospace. Et je les présente demain au conseil d'administration. Bah c'est trop bien. Bah ouais, c'est trop bien. Et je suis nommé chef du projet. Non. T'as réussi à griller l'autre, là? Parce qu'il y a une tête allongée avec un nez tout pointu. Fends la bise. Ouais, fends la bise. Et j'ai proposé un dossier de béton et Fends la bise était trop sûr de lui, comme d'habitude. Je suis trop content pour toi. Je suis fière de toi. Partout. Pourquoi tu m'as pas attendu dehors comme d'hab? Pourquoi t'es là si tôt? Je voulais pas croiser Bruno. On colle trop depuis quelques jours. Ouais, je crois que tu penses trop à tes embrouilles de famille. Picaretta, la chienne du lycée! Casse-toi. Je t'ai parlé à toi. T'as vraiment rien d'autre à foutre. Alors? Tu te crois si belle pour exhiber tes tétons? Tu te prends pour qui? Eh, t'es jamais qu'une pétasse qui est née les cuisses ouvertes? Et tu sais comment tu vas finir? Sur le trottoir? Et même pour quelques pièces, personne voudra de toi. Lâche-moi. Casse-toi, sale con! Eh, ça doit être plus facile de compter le nombre de mecs que tu t'es pas encore fait plutôt que ceux que tu t'es tapé, non? Lâche-moi, je te dis! Connard!